Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci de regarder. Aujourd'hui, on va apprendre à tricoter une paire de chaussettes à partir de la pointe jusqu'à la cheville en point damier que voici. Alors, on se retrouve tantôt. Tricoter les bas à partir de la pointe jusqu'à la cheville. Donc ici, on va faire le point damier comme j'expliquais à l'introduction. Vous avez besoin de deux aiguilles circulaires 2.5. Moi, j'ai pris deux couleurs différentes pour identifier le dessous du pied et le dessus du pied. Et comme laine, ici, j'ai utilisé, comme dans ma première vidéo que j'ai fait, Knitpix, la couleur c'est blush. Donc, c'est 60% Pima coton et 40% modal, grosseur 2. Pour celles qui tricotent serrées, je vous suggère de prendre des aiguilles numéro 3. Si vous utilisez seulement qu'une aiguille, je vous suggère de prendre des marqueurs de rang pour identifier chaque côté du pied, pour identifier le dessus et le dessous. Vous avez besoin également d'une aiguille à coudre ici et une paire de ciseaux. Maintenant, on est prêt pour le montage des mailles sur chaque aiguille. On va prendre trois fois à peu près la largeur du bout du pied. Et par la suite, on va mettre ça ici sur l'aiguille. Et voilà, comme ceci. On va le mettre ici. Donc, on prend nos doigts comme ça et on va déposer 8 mailles ici et 8 mailles sur l'aiguille de gauche pour pouvoir faire commencer à tricoter notre point. Donc, on fait comme ceci. On passe par-dessus comme ceci. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est rendu ici. 6. Sept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups. Et 8. Voilà. Donc, on a 8 mailles sur chaque côté et on est prêt à commencer à tricoter. Bon, maintenant, on va faire un rang à l'endroit avant de commencer nos augmentations. Je vais compter pour être certain. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Parfait. Donc, bon, ici j'ai inversé les rôles, mais ça ne fait rien. Je vais essayer de me rappeler que L, ça va être mon dessous. Puis L, la plus foncée, ça va être mon dessous de pied. Donc, je glisse le dessous de pied. Et avec l'aiguille complètement à gauche, on va commencer à tricoter à l'endroit. Ici, on ramène, on tricote tout à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Donc, pour le patron, il est disponible. Si vous regardez la description sous la vidéo, vous allez avoir le lien. Cliquez dessus. Et puis, il est en PDF et il est téléchargeable. Donc, maintenant, on va commencer à faire nos augmentations à ce temps que notre premier rang droit est fait. Comme vous voyez ici, on voit déjà qu'il n'y a aucune démarcation puis que c'est toujours en point de jersey. Si vous avez des petits trous, bien, recommencez. Bon. Maintenant, pour l'augmentation. Dans mon cas, moi ici, j'ai fait 56 mailles au total, donc j'ai besoin de 28 mailles sur chaque aiguille. Donc, je tricote toujours la première et je fais une augmentation en faisant 2 mailles à l'endroit dans la même maille. En cliquant ici, vous voyez ici. On fait ça au début du rang et à l'avant-dernière maille du rang. Une maille, on pique ici. Et on tricote la dernière à l'endroit. On tire dessus, on va aller faire sur l'autre aiguille la même chose. Donc, la première maille est toujours à l'endroit. On tricote 2 mailles dans la seconde. Et on fait de même jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre de mailles voulu pour notre confection du bas. On a un tour de fait. Donc, en principe, on devrait avoir 10 mailles ici et 10 mailles sur l'autre. Prochain maille, prochain rang, pardon, d'augmentation. La première maille à l'endroit, 2 mailles dans la seconde. Et on se rend jusqu'aux 2 dernières mailles. On fait 2 mailles ensemble. J'ai dit 2 mailles ensemble, hein? On tricote 2 mailles dans la même maille. Voilà. Et voilà, on s'apprête à finir notre deuxième tour. Une maille à l'endroit. 2 mailles dans la seconde maille. Et on tricote jusqu'aux 2 dernières mailles. On fait de même jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre de mailles voulu pour faire notre chaussette. Bon, je vous montre encore une fois le troisième tour. Ça va être notre troisième tour. On tricote une maille, 2 mailles. On tricote à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles.
chercher un meilleur endroit. Deux mailles dans la même maille ici. On tricote à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. On tricote une maille et on tourne, on va chercher l'autre fil derrière. On tricote l'autre maille et on termine avec une maille à l'endroit. Voilà, le troisième tour est fait. On voit déjà que la pointe commence à se faire tranquillement. Alors, on se retrouve mais que je sois rendue à mon avant-dernier rang. Donc, j'ai continué mon montage jusqu'à avoir 26 mailles sur chaque aiguille. Donc, il me reste un tour à faire pour pouvoir avoir mes 28 mailles. Donc, je vais terminer. J'ai une maille à l'endroit. Deux mailles ici. Dans la deuxième maille. Tout à l'endroit. Là, je me rends jusqu'aux deux dernières mailles. Une maille à l'endroit. On pique en arrière. On fait une deuxième maille. Oh, je pensais que je te rendais dans l'avant-dernière. On va recommencer. Bon, ici, on fait une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, on pique en arrière. Et on fait la dernière maille à l'endroit. 10. Et on fait la même chose pour le dessous du pied. Ça doit être notre dernier tour. Vous pouvez compter en même temps. Comme ça, on va aller savoir si j'ai vraiment 28 mailles. Donc ici, à l'avant-dernière, on fait une maille. On tricote la deuxième. Et on termine avec une maille à l'endroit. Voilà. Donc, toutes nos augmentations sont faites. Maintenant, on va tricoter tout à l'endroit. Comme ici, on va tricoter jusqu'à 3,5 cm et après, on va commencer le point d'ami. Bon, voilà, j'ai terminé de monter mon bout de pied jusqu'à 3,5 cm, puis je suis prête à faire les points damier. Donc, on a 7 motifs. Et ici, j'ai commencé à l'envers. Donc, c'est
4 mailles sur 4 rangs. Donc, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, tout le rang comme ça. Et ensuite, rendu au cinquième rang, on va faire endroit, envers, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait atteint notre 17,5 cm pour pouvoir faire notre talon raccourci. Donc ici, je vais mettre mon fil par devant pour pouvoir faire mon poing à l'envers un peu serré pour éviter de faire les trous sur les côtés du pied. Et les autres points, on va les faire à l'envers normalement. Donc, je vais rendre à ma deuxième maille. 3 et 4. 4 mailles à l'endroit. Je vous suggère de visionner la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer quel point qu'on va faire à la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, ça je vais l'envoyer ailleurs. Bon. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit, 3, 4 et 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3. Maintenant, on est rendu sur l'aiguille du dessous du pied. Donc, on continue en jersey tout le long. Et je vous reviens après avoir fait mes 4 rangs. Voilà, j'ai fait 3 tours en damier. Donc, il me reste un dernier tour pour pouvoir faire mon quatrième rang. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai interchangé mes aiguilles. Fait comme ça, je vais être certaine de ne pas me tromper quand je vais pouvoir les prendre dans mes mains. Donc, je mets mon fil par devant. On va tricoter un petit peu serré. On va faire 1, 2, 3, 4 avec celle que j'ai fait au début. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles à l'envers. 2, 3 et 4. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien important d'avoir des multiples de 4 sur vos aiguilles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et 4 mailles à l'envers. 2, 3 et 4. Moi, je vais faire en dessous de pied tout à l'endroit. Thank you.
maintenant, je vais commencer par faire sur mon aiguille du dessus du pied. 4 mailles à l'endroit. C'est sûr que la première maille est difficile parce qu'on a comme serré un peu la première à l'envers. Mais au prochain rang, ça va être un petit peu plus facile. 2, 3 et 4. Et ici, vu que c'est le premier rang, on va faire la première maille à l'envers serrée et on va faire les trois prochaines de façon régulière. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 4 mailles à l'envers, comme vous voyez la première je la fais serrer, et les autres aiguillères, 2, 3 et 4, et on termine par 4 mailles à l'endroit. Désolée, j'ai pas réalisé que mes mains étaient basses. C'est quand j'ai regardé ma vidéo que je me suis rendu compte que ma main, que j'étais pas dans mon objectif. Donc, pendant ce temps, j'ai fait 4 rangs à partir envers endroit, envers endroit, et 4 rangs de endroit, envers endroit, et ainsi de suite. Maintenant, on va monter jusqu'à ce qu'on ait atteint 17,5 cm pour arriver à mon bas ici. Puis on se retrouve après. Voilà, je me suis pas mal avancée sur mon bas. Maintenant, je vais mesurer pour voir combien de rangs il me reste à faire. Je sais que je suis presque à mon 17,5 cm, mais juste pour être certaine. Donc, je suis à 17, il me reste environ 2 rangs à faire avant de commencer à faire le talon à rang raccourci. Donc, je vais commencer, vu que j'ai déjà ici mes 4 rangs de fait à l'endroit, donc je vais commencer ici à l'envers. Donc, je serre ma maille ici, de cette façon. Donc, j'ai une maille à l'envers. 2, 3, maillons, et 4. 4 maillons à l'endroit. 4 maillons à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je suis en train de terminer mon deuxième rang. J'ai 4 mailles à l'endroit. 3 et 4. Et je termine par les rangs à l'envers. Et je vais laisser ces mailles-là en attente parce qu'on va aller commencer à faire notre talon à rang raccourci. Je suis en train de terminer mon deuxième rang. J'ai 4 mailles à l'endroit. 3 et 4. Et je termine par les rangs à l'envers. Et je vais laisser ces mailles-là en attente parce qu'on va aller commencer à faire notre talon à rang raccourci. Donc ici, pour notre talon, on va continuer à travailler tout à l'endroit. On va faire 27 mailles à l'endroit parce que j'ai 28 mailles sous mon aiguille. Un peu trop dur.
Donc, on ne tricotera pas la dernière maille. On va la mettre en attente. Donc, on prend le fil, on le met devant, on glisse la maille, on tourne, on ramène le fil en avant, on prend la maille, on la glisse et on tricote tout à l'envers jusqu'à la dernière maille. Moi, c'est la partie du bas que je préfère. Là, on va tricoter ici en laissant des mailles en attente, donc 8 chaque côté. Et il devrait nous rester 10 mailles au milieu. Donc, je prends mon fil, je le passe derrière, je glisse ma maille, je tourne, j'amène mon fil par devant. Je glisse ma maille et je continue à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je mentionne le prochain point. Si vous avez des questions, des commentaires ou un nouveau défi à me donner pour des points de bas, ben, vous avez seulement qu'à le laisser en bas dans le commentaire sous la vidéo. Puis ça va me faire plaisir de vous lire et ça va me donner un challenge supplémentaire. Oh, la dernière, je ne la tricote pas. Bon, donc, je passe mon fil devant, je glisse, je passe mon fil, je tourne et je continue à travailler à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles. Là, je vais continuer comme ça jusqu'à temps que j'aie atteint 6 mailles en attente de chaque côté. Faites de même, puis on se retrouve après. Voilà, j'ai mis 6 mailles en attente de chaque côté, donc il me reste encore 2 tours à faire. Donc, je l'avais déjà tricoté. Et on continue tout à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e dernière maille. Donc, il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets le fil devant. Je glisse la maille. Je fais le tour. Je la glisse et je continue à l'envers jusqu'aux 7 dernières mailles.
reste 4 mailles à tricoter. Une, deux, trois et quatre. Je mets mon fil en arrière. Je glisse ma maille. Je ramène le fil vers devant. Je tourne. Je glisse la maille et je tricote jusqu'aux 8 dernières mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il me reste 3 mailles à tricoter. 1, 2 et 3. J'amène mon fil. Je tourne. Je glisse. Et je tricote jusqu'aux 8 dernières mailles. Il me reste une maille à tricoter. J'envoie mon fil derrière. Je glisse ma maille. Je ramène mon fil devant. Je tourne. Et maintenant, on va commencer à faire, à récupérer les mailles en attente. Donc ici, je devrais avoir 10 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est qu'en réalité, je devrais avoir 9 mailles ici, 9 mailles ici, parce que j'ai 28 mailles sur mon aiguille. Bon, donc, je continue jusqu'aux 9 dernières mailles. 2, 4, 6, 8, 9. Moi, c'est plus logique comme ça. C'est pour ça qu'il me reste plus que 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. Je mets mon aiguille là. Je tricote à l'envers jusqu'aux 9 dernières mailles. Là, je devrais avoir 10 mailles sur mon aiguille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ici on a nos 9 mailles qui sont en attente. Donc, on va les récupérer. Donc, pour éviter de faire des trous au joint, donc je prends ma maille ici qui est soulevée et je la tricote. Voilà. Ensuite, je tourne, je la glisse et je continue à l'envers et je vais aller récupérer la maille qui est, première maille qui est en attente. Donc, je prends mon fil ici, je dépose ça ici et je tricote à l'envers de cette façon-là. Je glisse ma maille et je continue à l'endroit jusqu'à la prochaine maille en attente.
Je prends par devant ici. Je pique ici. J'amène mon fil. Je tourne. Je glisse et je continue à l'envers. Jusqu'à la prochaine maille en attente. Je glisse ma maille, je prends mon fil, je ramène ma maille et je tricote en l'envers de façon serrée. Je glisse ma maille et je continue à l'endroit jusqu'à la prochaine maille en attente. On continue comme ça jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus de mailles en attente sur nos aiguilles. Bon, j'ai continué et là, il me reste deux mailles ici et trois mailles ici, mais la dernière, il faut que je la tricote parce que je l'ai déjà fait. Donc, je finis mon rang à l'endroit. Je prends mon fil que j'avais fait le tour. Je tricote à l'endroit. Je tourne. Je glisse. Je tricote à l'envers. En maille serrée, comme ça, serrée. Et je continue de façon habituelle jusqu'à mes deux dernières mailles. Donc, je glisse ma maille, je prends le fil que j'avais fait le tour, je mets sur l'aiguille, je remets ma maille et je tricote à l'envers serré, comme ça. Je tourne, je glisse ma maille et je continue tout à l'endroit jusqu'à la dernière maille. Ma dernière maille ici. Donc, je la prends. C'est un petit peu fastidieux vu que c'est la dernière maille. Hein? C'est un peu serré. On la tricote à l'endroit. Je vais me reprendre. Je glisse la maille, je tricote serré à l'envers et je tricote jusqu'à la fin.
prends ma maille, je la glisse, je prends mon fil, je le remets sur l'aiguille et je tricote de cette façon. Et voilà, on a tout récupéré les mailles qui étaient en attente. Regardez, ça fait un super beau travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça, c'est... On va terminer notre tour ici. Et par la suite, on va reprendre les mailles qui sont sur le dessus du pied et on va continuer les deux rangs de notre motif damier qui restait à faire. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on ait atteint 8 cm à partir du bout du talon. Je vais vous montrer ici, je vais tenir mon rang. Et voilà, terminé, vous voyez, ça fait un beau, beau talon. Donc, comme je vous disais, on va faire, on va continuer à travailler les motifs jusqu'à ce qu'on arrive à nos côtes 1-1, à partir du bout du talon ici, jusqu'ici, on va mesurer 8 cm. Puis on se retrouve après pour le montage 1-1 de nos côtes pour finir notre bas ici. Voilà, je me suis avancée. Et puis, je vais juste vérifier, voir si j'arrive à mon 8 cm. D'après moi, oui. Je vais juste vérifier. Centimètres et demi, 8. Ça, ici, j'étais 8. Et ici. Je suis à 7 centimètres et demi, donc il me reste deux rangs à faire. Donc, je vais continuer mes deux rangs avec mon motif sur le dessus du pied. Maintenant, je suis en train de terminer mon dernier rang avant de faire les côtes 1-1 pour la bordure. Si ça peut vous aider, si vous avez fait la même grandeur que moi, on va calculer le nombre de motifs que ça fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 motifs en tout avant de faire les côtes 1-1. Dans mon modèle à moi, j'ai ici, j'ai 10 rangs en côte 1-1 ou 3 cm de longueur. Donc, on commence toujours par une maille à l'envers parce que quand on va faire, on va fermer de façon élastique, il faut que la première maille soit à l'envers. Donc, je mets mon fil devant. La première maille, je la fais toujours à l'envers serré pour que ça fasse deux trous. Donc, ça, je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je viens de faire une maille à l'envers.
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. On fait ça tout le rang. Pendant 10 rangs et on se retrouve après. Voilà, j'ai presque fini de faire mon 10e rang en côte 1-1. Donc il me reste juste le côté du talon à terminer. Donc je vais le terminer avec vous. Donc je mets mon fil devant. Faire une maille à l'envers serrée pour faire deux trous et on continue en alternance, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Bon. Ouais, c'est correct. Et après, on va tricoter une maille sur deux. On va glisser la maille à l'envers sur l'autre aiguille. Et on va tricoter à l'endroit, celle qui est à l'endroit. Et après, on va fermer notre travail. Et une maille à l'endroit pour terminer. Voilà, maintenant on va tricoter une maille sur deux. Donc, je mets mon fil par devant comme si je tricoterais à l'envers ma première maille. Donc, je glisse. Passe mon fil en arrière, je tricote ma maille à l'endroit, je passe mon fil devant, je glisse, je passe derrière, je tricote. De cette façon, comme ça. Fil devant, je glisse la maille. Je revois mon fil derrière, je tricote ma prochaine maille à l'endroit, je passe mon fil devant, je glisse ma maille à l'envers et je fais ça tout le reste du rang. Oh, on va aller tricoter à l'envers. Voilà, j'ai presque fini de tricoter le côté du talon. Donc, presque fini de tricoter mon rang. Je glisse, je passe ma fille. Et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Là, je tourne mon travail. Maintenant, je vais mesurer trois fois la largeur de mon bas pour pouvoir faire la fermeture élastique. Donc, j'en ai une. 2 et 3. On va recommencer. 1 et 3. Voilà.
pouvoir faire la couture élastique. Je passe mon aiguille par devant comme ça sur mes deux premières mailles. Et je les laisse tomber. Ma première maille est à l'envers. Donc, je pique par devant comme ceci. Et je vais aller chercher ma maille qui est à l'endroit ici. Je pique de droite à gauche comme ceci. Et je viens fermer. Ça a fait un petit nœud, mais ça ne devrait pas faire ça. Et voilà. Et je laisse tomber mes deux mailles. Je prends ma maille qui est à l'envers. Je tire sur le fil. Je prends ma maille ici qui est à l'endroit. Je vais aller chercher mon autre maille qui est à l'endroit. Je pique ici dans ma première maille qui est à l'envers. Et je laisse tomber les deux mailles. Et il faut que je me retrouve à chaque fois avec la maille qui est à l'envers. Donc, je pique comme ça dans ma maille qui est à l'envers. Je prends la maille qui est à l'endroit ici. Je pique dans mon autre maille qui est à l'endroit. J'ai enlevé de là, lui. Et je pique de droite à gauche dans ma maille qui est à l'envers. Et je glisse mes deux mailles. Vous voyez, c'est très facile à faire, mais il faut suivre vraiment la séquence pour qu'on ait une belle finition. Ici. Et je laisse tomber mes deux mailles. Je pique dans ma maille en l'envers ici. Dans ma maille qui est en l'endroit ici. Je vais la ramener. Bon. Voilà, fait qu'on fait ça tout le rang. On se retrouve après. J'ai presque fini. Alors, il me reste seulement que 6 mailles à rabattre. Donc, je continue ici. Je prends ma maille qui est à l'envers. Je prends la maille ici à l'endroit. Dans l'autre maille à l'endroit. Et je glisse les deux mailles. Je pique ici. Dans ma maille à l'endroit. Comme ceci. Je glisse.
à ma maille qui est à l'envers. Meilleur endroit ici. Ça. Et voilà, on a terminé. Maintenant, on va aller piquer ici dans notre maille à l'endroit. Ici. Voilà. Et on va rentrer nos fils. Vous voyez, ça fait vraiment une belle finition. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est très joli. Très extensible. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, comme je vous disais au cours de la vidéo, gênez-vous pas, vous avez de la place en bas de la vidéo. Et puis, voilà, je vais terminer ça ici. Et je vais vous montrer la prochaine paire de bas qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc, c'est un autre chaussette, mais avec un point différent. C'est un point ajouré avec des côtes en diagonale et côtes... deux comme ça ici. C'est très très facile à faire. C'est le même principe, c'est la même grandeur, le même nombre de mailles et tout ça. Fait qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon tricot. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. À bientôt!